Je voudrais moi aussi saluer très chaleureusement tout le monde et transmettre aussi les nombreuses salutations. C'est merveilleux de recevoir des salutations du monde entier et de pouvoir ensuite les transmettre de la part de ceux qui ont été bénis par la parole, de ceux qui ont été interpellés, touchés par la parole, de ceux à qui la parole a été révélée. Nous sommes très, très reconnaissants pour la grâce que Dieu nous a accordée. Parlons très brièvement de notre époque. J'espère que tous les frères comprendront que je ne peux pas transmettre personnellement les salutations aujourd'hui, les salutations de chacun. C'est tout simplement un comble de vouloir transmettre toutes les salutations personnellement. Nous sommes arrivés à une époque où personne ne sait ce qui va se passer. Tout le monde se demande ce qui va se passer ensuite. Et lorsque nous avons entendu l'annonce de M. Poutine qu'il souhaitait proclamer la victoire le 9 mai. Le 9 mai lui rappelle, et nous aussi, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'armée russe a célébré la victoire à Berlin. Mais le Seigneur sait tout. Nous sommes à la fin des temps, guerre, des guerres et des cris de guerre, des famines et des pestes, des temps coûteux. Tout ce qui a été prédit se produit sous nos yeux et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'orientation que nous avons dans la parole de Dieu. Maintenant que nous sommes arrivés au mois de mai, permettez-moi de mentionner brièvement deux choses. C'était le 7 mai 1946. Lorsque Frère Branham a reçu l'ordre, le mandat direct, et qu'il lui a été dit exactement quel ministère lui a été donné, qu'un don de guérison divine lui serait donné, et qu'il devrait annoncer l'Évangile. Nous tous qui connaissons le message de la fin des temps, nous savons ce qui a été dit et ce qui a ensuite été exécuté. Ensuite, nous avons le 14 mai 1948, lorsque Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël. Après tous ces milliers d'années, Israël est devenu un État. Des prophéties bibliques se sont accomplies
sous nos yeux. Mais il est effectivement écrit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que les temps des païens soient révolus. Et nous sommes effectivement sur le point où ces choses, ces grandes choses vont se produire très prochainement. Nous serons tous émerveillés par ce qui se passera au Proche-Orient, ici et là, et dans le monde entier. C'est la fin des temps. Et tout ce qui a été prédit s'accomplit. Mais aujourd'hui, il s'agit pour moi de placer la prédication biblique sur le chandelier et de ne laisser valoir que ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Loué et exalté soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait naître de nouveau à une espérance nouvelle et vivante. Nous allons lire aujourd'hui quelques passages bibliques afin de montrer clairement à tous que la prédication du Nouveau Testament a été fondée sur l'Ancien Testament et que la prophétie biblique de l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous demandons maintenant que frère Borg nous fasse la lecture, s'il te plaît. Nous lisons de Romains 1, versets 1 à 3a. Romains chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu. Il est question ici de l'appel à proclamer la parole en tant que serviteur de Jésus-Christ. En tant que serviteur de Jésus-Christ. Nous demandons ensuite que le verset 2 soit lu. Qui avait été promis, Romains 1, verset 2 maintenant, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures? Cela ici est la chose la plus importante qui a été dite. Proclamer le message du salut de Dieu. Que lui, le Dieu vivant, a annoncé d'avance par ses prophètes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. C'est la tâche d'un vrai serviteur de Dieu. Et nous allons voir. Et je demande à frère Borg de relire les deux premiers versets et ensuite directement aussi le verset 3, s'il te plaît. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu.
qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, à savoir le message du salut concernant son Fils. Loué soit le Seigneur. Puis-je transmettre ceci à tous les prédicateurs de la terre entière, de ne pas annoncer, non pas annoncer ce que les pères de l'Église, les pères des Églises ont jamais ont annoncé, mais l'Évangile, annoncer l'Évangile, le message divin du salut, dans lequel Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, est la chose principale que nous annonçons, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont le Christ Jésus lui-même est la pierre angulaire. Donc, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Les apôtres ont intégré la prophétie biblique de l'Ancien Testament dans la prédication du Nouveau Testament. Ils ont intégré la prophétie biblique de l'Ancien Testament dans la prédication du Nouveau Testament et ont tout fondé sur la Bible dès le premier instant. Et c'est pourquoi je dois souligner devant Dieu qu'il n'y a qu'un seul message divin de salut, qu'un seul évangile éternellement valable, fondé et annoncé comme nous venons de le lire, comme Dieu lui-même l'a annoncé d'avance dans l'Ancien Testament par les prophètes et l'a fait proclamer dans le nouveau par les apôtres. Et c'est ainsi que l'édification de l'Église s'est faite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Loué soit notre Seigneur. Toutes les autres églises ont posé leur propre fondement. Le fondement de l'Église du Dieu vivant, de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église des fils et des filles de Dieu a été posé ici. Et cela restera ainsi pour l'éternité. Et c'est là que nous devons maintenant revenir par grâce et même être ramené, car la proclamation à la fin doit être exactement la même qu'au début, qu'au commencement. S'il te plaît, nous lisons le verset 7 du psaume 2. Psaume 2, verset 7. Laissez-moi faire connaître le dessein de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, annoncé dans l'Ancien Testament, et cela est arrivé dans le Nouveau Testament et cela a été exposé bibliquement par les apôtres
qui nous l'ont transmis. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans Luc chapitre 10, verset 22. Luc 10, Luc chapitre 10, verset 22. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. Oui, cela aussi est tout simplement puissant. Personne ne reconnaît avec la compréhension humaine qui est Dieu, comment Dieu s'est révélé, pourquoi il est écrit ici du Père et là du Fils. Et c'est seulement en fait à qui Dieu le révélera. Si le Fils de Dieu est aussi certain que le Fils de Dieu est la révélation de Dieu lui-même sous une forme visible, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons connaître par grâce ce que Dieu avait prévu, à savoir qu'il voulait nous rétablir dans notre position originelle de fils et de fille et nous accorder par grâce d'être établis dans la filiation, dans la position de fils et de fille de Dieu et qu'il nous l'a aussi accordé. Et lorsque notre Seigneur dit lui-même, personne ne connaît, ne reconnaît, donc pas par soi-même, cela ne va pas. Cela n'est pas possible. Nous pouvons étudier. Nous pouvons étudier. Cela ne va pas. Nous devons et pouvons recevoir la révélation de Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui père et il sera pour moi fils. 2 Samuel 7, verset 14. Je demande au frère Borg de toujours indiquer le passage parallèle dans le Nouveau Testament. Vous pouvez tous lire par vous-même comment la prophétie de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament sont devenues une réalité dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui compte. Comment est-ce que les promesses se sont réalisées dans le Nouveau Testament et comment est-ce que cela a été proclamé, la promesse dans l'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau Testament. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans le prophète Ésaïe, le 7e chapitre, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Tout-Puissant lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge deviendra de bonne espérance et enfantera un fils à qui elle donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le verset parallèle, c'est Matthieu 1, verset 23. Donc, dans l'Ancien Testament, la promesse, une vierge deviendra de bonne espérance et enfantera un fils. Et puis, l'accomplissement dans le Nouveau Testament. L'ange Gabriel est venu à Marie et lui a dit, « Tu as trouvé grâce devant Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et celui qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans le prophète Ésaïe,
le chapitre 9, le verset 5. Car l'enfant nous sera né, le fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination, et son nom sera Merveilleux Conseiller, Dieu vainqueur, Père éternel, Prince de la paix. Pour cela aussi, nous ne pouvons que rendre grâce et remercier. Les passages parallèles se trouvent tous dans le Nouveau Testament. Et nous sommes tout simplement reconnaissants à Dieu de nous avoir ramenés à la parole, de n'admettre et accepter rien d'autre que ce que Dieu lui-même a promis dans sa parole. C'était promis, c'est accompli, et c'est ainsi que cela a été destiné à être proclamé. Toutes les églises peuvent avoir leur propre prédication. Nous savons tous que l'Église romaine a 245 dogmes. Et si nous regardons dans toutes les autres églises, combien de paragraphes se trouvent dans leur confession de foi? L'une d'entre elles a 39 paragraphes. Toutes ont établi, dans toutes ces églises, ont établi ce qu'elles croient, enseignent et pratiquent dans leur propre confession de foi. Ils ont tout ont établi et fixé ce qu'ils croient. Mais la confession de foi des véritables croyants est ici, et aucune autre ne doit être valable pour l'Église du Dieu vivant. Il n'y a que ce qui est écrit dans le Testament, et un testament est définitif. Il a le sceau, et nous en sommes reconnaissants. S'il te plaît, maintenant nous disons dans Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. Alors l'ange lui répondit, Luc 1, verset 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainteté, aux traductions, le Saint-Enfant qui doit naître sera appelé Fils de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux! Qu'avons-nous entendu dans la parole d'introduction? Né de nouveau pour une espérance vivante en vertu de la résurrection, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. De même que la naissance du Fils de Dieu n'a été possible que parce que la semence divine a été déposée en Marie. Et qu'ensuite, la naissance a pu avoir lieu. D'abord, l'engendrement par l'Esprit, la procréation par l'Esprit, puis la naissance de celui qui a été engendré. Il en va exactement de même pour nous. Nous sommes nés de nouveau par la puissance de Dieu et avons reçu la nouvelle vie éternelle par Dieu, par grâce. Mais comment cela s'est-il passé? De même que le Saint-Esprit est venu sur Marie, de même le Saint-Esprit doit être et est venu sur l'Église
du Nouveau Testament à la Pentecôte et a déposé en nous la nouvelle vie divine. Et c'est ainsi que des enfants, que d'enfants d'hommes, des enfants de Dieu ont apparu. Tout est harmonieusement lié. S'il te plaît, nous lisons le psaume 22, le verset 10, psaume 22, verset 10. Oui, c'est toi qui m'as mis dans le sein de ma mère, qui m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Aussi une promesse précieuse, c'est toi, ô Dieu, qui m'as mis dans le sein de ma mère. Poursuivons notre lecture. Luc 2, verset 11. Car aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. La première chose qui s'accomplit est « Tu es mon fils ». Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et nous sommes tout simplement reconnaissants. Et permettez-moi de le souligner avec force. Dans tout l'Ancien Testament et pour l'éternité, il n'a jamais été question d'un fils. Ésaïe n'a parlé à aucun fils de Dieu. Aucun prophète n'a parlé d'une trinité. Personne n'a dit voici le Père et voici le Fils. Dans tout l'Ancien Testament, c'était Dieu le Seigneur, l'éternel Dieu, Elohim Yahvé. Et celui que nous connaissons de l'Ancien Testament comme Elohim, comme Dieu, est dans le Nouveau Testament le Père, celui que nous connaissons de l'Ancien Testament comme Yahvé, comme Seigneur, est dans le Nouveau Testament le Seigneur, le Fils. Et c'est ainsi que le Père s'est révélé dans le Fils. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. S'il te plaît. Psaume 22, verset 23. Psaume 22, maintenant le verset 23. Alors je ferai connaître ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Le verset parallèle, c'est Hébreux chapitre 2, verset 12. Hébreux chapitre 2, verset 12. Ceci aussi est très important. Ensuite, je ferai connaître ton nom à mes frères. À mes frères. Notre Rédempteur est devenu le premier-né d'une multitude de frères, au milieu de plusieurs frères. Il nous a révélé le nom par lequel Dieu s'est révélé à nous, comme Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais comme nous l'avons déjà souligné, dans l'Ancien Testament, il est écrit « Alors je révélerai ton nom à mes frères, non pas au peuple, non pas à tous les hommes qui suivent leur propre voie, mais je révélerai ton nom à mes frères. »
C'est ainsi que nous remercions notre Seigneur et Rédempteur de l'avoir vraiment fait, de nous avoir révélé le nom d'alliance du Nouveau Testament, dans lequel le salut, la délivrance, le pardon, tout nous a été donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Nous poursuivons notre lecture. Psaume 89. Psaume 89, verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Psaume 89, verset 28. J'espère, frères et sœurs bien-aimés, et en particulier que tous les frères servants se réjouissent de ce que Dieu nous a ramenés au commencement, que nous respectons simplement ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre. Nous annonçons l'Évangile tel que Dieu, comme Dieu l'a promis par l'intermédiaire de ses prophètes dans l'Ancien Testament. Et jusqu'à présent, nous avons lu tous les passages bibliques de l'Ancien Testament qui sont tous repris dans le Nouveau Testament. Et c'est avec joie que je peux dire que chaque fois que je réfléchis au fait que lors de la première venue du Seigneur, 109 prophéties et passages bibliques de l'Ancien Testament ont été accomplis dans le Nouveau. Oh, alors je dis merci à Dieu pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est un livre que Dieu nous a donné. Et nous pouvons croire de tout cœur, comme l'Écriture l'a dit. Puis-je vous poser la question, frères bien-aimés et serviteurs, annoncez-vous la parole comme nous venons de la lire, que vous classiez l'Évangile comme Dieu l'a annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament et comme il l'a annoncé et mis par écrit par les apôtres dans le Nouveau. Et c'est seulement ainsi que s'est réalisé et se réalise ce qui a été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de nous avoir ramenés au commencement. S'il te plaît, nous lisons le donc 1 Jean, chapitre 4, verset 2. À ceci, vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est le Christ venu dans la chair, celui-là est de Dieu. 1 Jean 4, verset 2. Loué soit notre Seigneur. Qu'en est-il de tous ceux qui ont inscrit dans leur confession de foi, dans leur credo, qu'il y a une Trinité, qu'il y a trois personnes
éternel, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Que disent ces personnes de ce passage biblique qui témoigne que le Fils n'est pas né de toute éternité, qu'il n'est pas né dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'il est venu dans la chair. Tout esprit qui le confesse ainsi, comme l'a écrit l'apôtre Jean, est de Dieu. Celui qui le confesse autrement, qui confesse un autre Jésus, qui prêche un autre Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. Au contraire, c'est contre Dieu. Et le mot allemand « anti » signifie « contre ». Tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu est anti, contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre Jésus-Christ, notre Seigneur. D'où le sérieux avertissement adressé à tous. Venez vous humilier sous la puissante main de Dieu. Que seule la parole de Dieu soit valable. Sortez de tout égarement, de tout égarement, de toute confusion. Croyez en Dieu, croyez Dieu, croyez Dieu seul et non en un seul homme. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons Galates 1, chapitre 8. Galates 1, verset 8. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncions un autre message de salut que celui que nous vous avons annoncé, malédiction sur lui. Cela aussi est une parole si sérieuse. Celui qui prêche un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, un autre message de salut, celui-là n'a plus de message de salut et est sous la malédiction. Et si la parole nous frappe aujourd'hui de telle sorte que tous ceux qui prêchent un autre évangile sont sous la malédiction, même s'ils parlent de bénédiction. Frères et sœurs, la parole de Dieu est si sérieuse. À quoi sert-il à un ecclésiastique d'y lever la main et de faire trois fois la croix, le signe de croix, en pensant prononcer une bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est un blasphème, mais pas une bénédiction. Il n'y a de bénédiction que là où tout ce qui arrive doit être fait au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit que ce soit en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout baptême, toute bénédiction, tout se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le témoignage des Saintes Écritures. Où serez-vous, vous qui avez enseigné la Trinité, qui avez maintenu les gens dans l'erreur
toute votre vie, toute leur vie. N'avez-vous jamais lu ce qui est écrit dans Hébreux 9, verset 27? Il est fixé à l'homme de mourir une fois et ensuite le jugement. Les prédicateurs du faux évangile, des fausses doctrines et enseignements porteront la responsabilité des âmes sincères de toutes les églises et communautés de foi qui cherchent Dieu, qui veulent faire l'expérience avec Dieu, qui veulent expérimenter Dieu, mais qui sont maintenus dans l'erreur, que Dieu accorde la grâce, que la libération, la véritable rédemption par le sang de l'agneau soit manifestée, que l'Esprit de Dieu puisse venir sur les hommes et que la nouvelle vie divine puisse agir en nous et que nous puissions naître de nouveau de la semence de la parole de Dieu. Car seul celui qui est vraiment né de Dieu a la vie éternelle. Et seul celui qui a la vie éternelle peut vivre et vivra éternellement. Oh, comme il faudrait proclamer haut et fort, à haute voix, la vérité biblique à toutes les dénominations, et la mettre dans leur cœur, en leur disant à haute voix, revenez à Dieu et à la prédication originelle. S'il te plaît, nous lisons dans la deuxième épître de Jean, 2 Jean chapitre 1, verset 7. 2 Jean chapitre 1, verset 7, pardon. Car plusieurs faux docteurs sont sortis dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ comme étant celui qui vient dans la chair. C'est en cela que se manifeste le faux docteur et l'Antichrist. Ici aussi, nous avons une parole très sérieuse. Tous ceux qui disent que le Christ est déjà venu, écrit, propage des différentes doctrines et enseignements, les Saintes Écritures le disent clairement, disent que le même Jésus qui a été enlevé par du milieu de nous dans la gloire reviendra de la même manière et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et quand il reviendra, il viendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange, et alors ceux qui se sont endormis en Christ entendront l'appel au réveil et ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons changés et enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs et entrer ensuite avec lui dans la gloire. Donc, s'il vous plaît, croyez que le même Seigneur, de la même manière, reviendra, tel qu'il est monté au ciel. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Cela aussi s'est réalisé, le temps est venu. Et il était déjà venu à l'époque déjà des apôtres où de fausses doctrines étaient présentées et où Paul devait sans cesse remettre l'enseignement biblique sur le chandelier. Et en particulier dans 2 Timothée, le chapitre 4, l'avertissement direct à Timothée de proclamer la parole, proclame la parole, prêche la parole, que ce soit en temps convenable ou pas, prêche la parole. Car il viendra un temps où l'on trouvera l'enseignement biblique insupportable. Insupportable. Cette parole a pour moi, comme cela a souvent été attesté et témoigné de ma bouche, elle a une signification toute particulière. Je peux imaginer combien il vous est difficile de croire qu'à notre époque, le Seigneur a parlé à Frère Franck d'une voix audible, avec des paroles absolument claires en allemand. En allemand. Lorsqu'il m'a adressé ces mots et lorsqu'il m'a dit aussi ces paroles, mon serviteur, lis 2 Timothée 4 et je te parlerai. Et il m'a parlé spécialement par cette parole. Et je n'ai qu'une chose à faire, c'est de proclamer la parole. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur quel fondement sont bâties toutes les églises, toutes les dénominations, toutes les confessions. Je ne vais pas m'étendre sur ce point. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 21. Acte 3, verset 21. Lui, cependant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Amen. Ça, c'est la parole la plus importante qui a été lue aujourd'hui. Toute parole de Dieu est importante. Mais précisément, la promesse que nous venons d'entendre, notre Seigneur attend dans le ciel. Le ciel doit l'accueillir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Frères et sœurs, jusqu'à quand le ciel doit-il l'accueillir? Jusqu'au temps où tout aura été rétabli comme Dieu l'a promis et annoncé par la bouche des prophètes. Par la bouche des prophètes. Donc, avant que le retour de Jésus-Christ puisse avoir lieu, il faut que cette promesse
s'accomplisse, que tout tel qu'il a été au commencement, classé par les apôtres, expérimenté par eux, soit de nouveau classé et expérimenté maintenant, à savoir tel que Dieu l'a révélé à ses saints prophètes. Et les apôtres ont annoncé ce que Dieu a promis et annoncé par les prophètes. Et comme dernière promesse, avant le retour de Jésus-Christ, il nous est dit que le temps viendra où le Seigneur rétablira toutes choses dans leur état initial, comme il l'a annoncé lui-même par la bouche des prophètes, puis par la bouche des apôtres. C'est la raison pour laquelle Dieu a appelé, a envoyé Frère Branham à notre époque, qu'il nous a effectivement ramenés à la parole originelle, à la vérité, à l'Ancien et au Nouveau Testament. Frères et sœurs, de même que les uns se réfèrent à Martin Luther, les autres à Augustin, les autres à Athanase, les autres à tous les fondateurs des différentes églises, à William Booth, à oui, quel que soit leur nom, Booth, toutes les communautés, William Booth, toutes les communautés, ecclésiales se réclament d'un personnage principal qui a été déterminant pour leur foi. Nous nous référons au prophète promis pour cette époque, aussi certainement que Dieu a dit dans les derniers versets de l'Ancien Testament, dans le prophète Malachie, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant l'arrivée du grand jour et terrible, grand jour terrible et redoutable du Seigneur. Aussi certain que notre Seigneur, après le ministère de Jean-Baptiste, a encore mentionné cette promesse dans Matthieu 17, versets 10 et 11. Élie viendra en premier et remettra tout en place. Élie viendra en premier. Premièrement, et remettra tout en place. Dois-je frapper la table avec le marteau? Dois-je frapper du poing sur le pupitre? Dois-je crier avec insistance à tous les frères, serviteurs et à tout le peuple de Dieu? L'Écriture est accomplie sous nos yeux. Jésus attend dans le ciel que tout soit remis en place, rétabli dans l'état primitif, comme il l'a promis, comme Dieu l'a promis par les prophètes. Notre Seigneur dit, Élie va venir. Que fit Élie? Il prit les 12 pierres, convoqua le peuple, et Dieu répondit. Et les cœurs des hommes furent retirés de la dispersion. Ils allèrent tous dans des directions différentes. Les cœurs des enfants d'Israël furent ramenés à Dieu. Et cela a eu lieu sur le mont Carmel, ramenés à la parole de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé à notre époque. Oh, que pourrait-on dire de plus? Notre temps est révolu.
Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Nous attendons le retour du Seigneur. Il ne peut se produire que lorsque tout aura été rétabli dans son état initial. S'il vous plaît, respectez la sainte parole de Dieu. Si vous ne tenez pas compte de la parole de Dieu, Dieu vous laissera partir. Ne vous inquiétez pas du tout. Celui qui n'a rien à dire, celui à qui la sainte parole n'a rien à dire, la sainte parole de Dieu n'a rien à dire, il n'a plus besoin d'ouvrir la Bible en fait. Il peut lire un roman et se mettre au lit, n'est-ce pas? Je conclurai en disant, l'Éternel Dieu a tenu ses promesses. Il a envoyé Élie. Il a tout restitué, tout restauré. Tout a été ramené. Tous les enseignements bibliques, toutes les pratiques bibliques qui concernent la divinité, le baptême, le péché originel, l'incrédulité, tout. L'incrédulité, le péché original, l'incrédulité, tout. Maintenant, cela doit être fait dans les vrais croyants qui n'appartiennent pas seulement à une église, mais à l'église épouse de l'agneau. De l'agneau. Car c'est ainsi que c'est écrit. Et son épouse s'est préparée. Il n'est pas écrit et toutes les églises et toutes les communautés se sont préparées, mais son épouse s'est préparée. Et maintenant, sous la proclamation de la vraie parole rétablie, tout a été annoncé comme au commencement. Tout a été prêché comme au commencement. Et le Seigneur lui-même maintenant achèvera son œuvre en nous tous qui croyons de tout notre cœur. Et nous attendons tous chaque jour que la dernière action surnaturelle de l'Esprit de Dieu se manifeste. Et que le Seigneur lui-même achève tout par grâce. Soyez bénis par la bénédiction de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et en particulier tous les frères qui servent. Lisez donc tous ces passages bibliques. Humiliez-vous, prosternez-vous sous la parole de Dieu et que le Seigneur vous donne la grâce de transmettre la parole de Dieu, la même parole comme une nourriture divine, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons et frère Borg prie encore avec nous. Père céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue ce matin dans cette émission. Nous te remercions de t'être adressé à nous personnellement, d'avoir parlé avec nous. Donne la grâce à tous ceux qui ont entendu ta parole de reconnaître ce que l'Esprit avait à nous dire à tous ce matin. Rends grâce. Je te rends grâce pour cette émission. Seigneur, je te remercie pour ta bénédiction. Tu as donné la grâce pour parler et tu as donné la grâce d'écouter, de parler et d'écouter. C'est à toi que reviennent l'honneur et l'adoration
au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.